Et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Agrarian Skies. Épisode un petit peu spécial puisque aujourd'hui, Cookie étant connecté, nous allons faire chacun notre épisode de notre côté avec les objectifs que nous nous sommes répartis pour l'un et pour l'autre. Pour ma part, et donc pour vous aussi viewers qui me regardez, nous allons nous diriger vers tout ce qui va concerner un petit peu... Bah tiens, en parlant du loup, nous allons nous diriger vers tout ce qui va être un petit peu agriculture, nourriture, le bétail, on va automatiser tout ça ensemble, et justement on va revenir un petit peu en arrière, et vous avez vu les différentes fermes qu'on avait construites, mais je vais en construire une avec vous pour qu'on puisse voir du début à la fin comment ce système va être automatisé. C'était relativement simple, mais ce sera peut-être intéressant, je pense. Jean-Kévin a pondu. Donc allons-y, en avance j'ai tout préparé. Et ici, on va essayer de faire quelque chose d'assez joli. Donc on va avoir des fermes qui vont faire tout le tour comme ça. Et au milieu, donc à ce niveau-là, on va avoir une grosse zone qui va servir à la fois de grange, de zone de stockage. On va essayer de faire quelque chose d'assez joli. Donc, pour faire une ferme, produit 21 par 21, voilà environ ce dont vous allez avoir besoin. C'est beaucoup de ressources quand justement vous n'avez pas encore automatisé, mais à partir du moment que vous avez finalement cette ferme à arbre et la machine qui vous crée automatiquement les différents minerais, finalement ça c'est pas grand chose. La seule chose que j'avais pas encore c'était les tucides, donc il y a une technique relativement simple que vous devez connaître pour en faire pousser. Il vous suffit d'être à un endroit où vous avez de l'herbe, un petit peu de bonne mille, vous en posez, hop, beaucoup d'herbes qui pop. Et ensuite ce qui est beaucoup plus simple, c'est de prendre la fameuse petite serpe que vous avez eue en récompense et hop, de la sorte, et vous voyez il y a beaucoup de choses qui pop. Donc on a pris un petit peu d'avance et quand on avait un moment on a fait cette chose jusqu'à avoir un très grand nombre de seeds et de pousses d'arbres. Comme vous pouvez le constater, on n'a même pas assez de place dans un seul coffre. Et une fois que vous l'avez, bah vous pouvez la prendre, la faire pousser, la récolter et en refaire pousser jusqu'à en avoir un certain nombre pour commencer votre récolte, puisque finalement, pour pouvoir remplir une zone de 21 par 21, il vous en faudra plus de 440, ce qui est quand même un sacré nombre. Donc, allons-y. Le jetpack est vraiment pratique pour ça, ça va nous faciliter la tâche. Hop, on va faire la même des autres côtés. Voilà. Et si tout va bien, oui, c'est aligné. Maintenant, pour gagner du temps, un autre petit outil qui va vous être extrêmement pratique, c'est la Builder's Wand. Donc pour faire une Builder's Wand, c'est pas très compliqué, mais c'est relativement coûteux, surtout à bas level. Il vous faut un stick et du diamant. Et qu'est-ce que ça fait la Builder's Wand? Ça va simplement reproduire un pattern que vous avez posé. Ça marche sur une distance de 8. Et si vous avez bien entendu les matériaux dans votre inventaire, ça va les poser automatiquement. Là, on en a plus sur nous, donc forcément ça ne le pose plus. Mais il suffit de vous saisir de toutes vos terres. Il en manque ici. Tac, tac. Et c'est très facile. On avait fabriqué cette wand déjà à l'époque où on avait fabriqué pour vous la tour à mob. Ça facilite tellement la construction que vous pouvez le faire en quelques minutes seulement. Oh, on a de la compagnie. Donc voilà, Pour ce qui est de la terre, ça va être fini. On va mettre un petit peu de lumière pour pas avoir de soucis. Rappelez-vous, F7, ça vous montre directement. Bien entendu, ce sera remplacé après. Voilà. J'avais prévu 7 stacks. Vous voyez que ça fait tout juste ce qu'il faut avec un petit peu de rab. On risque d'en avoir besoin si on remplace certains blocs et qui tombent dans le void. Mais pour l'instant, c'est parfait. Pour avoir un petit peu de place et travailler ensuite plus facilement, on va continuer à faire exactement le même pattern pour les routes. Donc pour notre part, on a choisi de mettre directement en bordure de la terre une couche de Edge Stone. Voilà, c'est aussi là-dessus qu'on va poser nos différentes machines, surtout les harvesters et les Tesseract. Donc c'est bien de les prévoir en avance, et c'est aussi là que vont se situer les différents blocs de lumière, les Glow Stone Illuminator qu'on a construits. Et ça suffisait pas. Donc il y a une différence entre les deux types de fermes, à savoir les fermes à arbres et les fermes à plantation plus classiques, c'est l'eau. Pour les arbres, vous n'avez pas besoin d'eau pour faire pousser. Alors que rappelez-vous, pour la plantation de blé qu'on a faite, on avait besoin que à chaque fois, tous les blocs soient alimentés en eau. Chaque bloc d'eau, sprinkler ou alors simplement un simple bloc d'eau, ça alimente une zone de 4. Le sprinkler est un peu plus rapide et accélère la pousse, d'autant plus si vous le remplissez en bonne mille. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi cette alternative. Ensuite, les deux harvesters, toujours au même niveau, c'est très bien pour couvrir toute la zone. Un ici et un juste en face. Tac, voilà. De la même façon, il va nous falloir le planteur. Donc on va trouver le centre. Sauf que, une nouvelle fois, il faut l'eau avec un Aqueous Accumulator dessous. Et c'est pour ça que là, le planteur est décalé d'un par rapport au centre et par rapport aux fermes à arbres. Mais c'est pas un problème puisque la zone du planteur, avec une upgrade qui suffit, est largement couverte. Donc le milieu de 21, c'est 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Là, ce sera notre centre. Juste en dessous, on aura un Aqueous Accumulator. Et juste en dessous de ce bloc, on va poser notre planteur qui fera son travail. Hop. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà. Toujours garder un œil sur la puissance du jetpack pour éviter un petit souci. Ça n'est pas encore arrivé, j'espère que ça ne le sera pas. Ensuite, j'ai prévu 3 Tesseract. Ce sera pas trop, croyez-moi. Ces deux Tesseract qui sont reliés au harvester ont toujours la même configuration, peu importe la plantation. On le met sur notre système général, celui qui est relié directement à notre système ME, et les Tesseract vont être configurés pour envoyer des items et du fluide, donc les ressources que va créer ce harvester, donc les plantations qu'il va récupérer et le sludge, le fluide qu'il va créer, vont être envoyés par ce Tesseract, mais ce Tesseract va aussi envoyer de l'énergie. C'est pour ça qu'il reçoit de l'énergie et va alimenter, d'ailleurs vous pouvez le constater, c'est déjà le cas, il alimente le harvester. Donc la configuration est parfaite, elle est bien sur le canal 1. Et vous voyez, fluid mode send only, item mode send only et energy mode receive only. Donc c'est parfait. On va faire le même de l'autre côté. Celui-ci est neuf, donc il n'a pas encore été configuré. Premier canal. Pour le fluide et pour l'item, c'est send. Et pour l'énergie, c'était bon, c'était receive. Et enfin, j'ai oublié de prendre le dernier. Ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc ça, on va le faire en avance avant de le poser. Ce dernier Tesseract va être posé directement sur le planteur. Donc il faut qu'il fasse deux choses. Il faut que ce Tesseract puisse alimenter le planteur en énergie et qu'il puisse le fournir en graines. Puisque les graines vont être récupérées par ces harvesters et vont être envoyées dans le système. Donc il faut bien qu'elles reviennent par un autre Tesseract et soient envoyées directement dans notre planteur. Et pour faire ça, il faut créer un canal différent. Puisque je vais vous montrer sur les autres, chacun des tesseracts qui est relié au planteur de chacune de ces fermes est différent et est sur un canal différent qui lui est propre. Par exemple celui-ci, pour la ferme à arbres, le tesseract est relié, vous verrez dans la base, il faudra qu'on en mette un forcément de sortie. Il va être relié à un export bus du système qui va envoyer les graines qu'on veut qui soient plantées ici. Donc pour la configuration c'est simple, on va créer une ferme à laitue ici. Et alors, je vais faire sûrement des fautes. Alors on va vérifier. Oui, c'est mieux avec 2T. Le canal 6 du coup, hop, vous ajoutez, vous sélectionnez, vous validez et on peut configurer. Donc on a dit qu'il fallait recevoir de l'énergie. Hop, et recevoir des items. Pas besoin de configurer pour les fluides. Une fois que c'est fait, vous le récupérez avec la clé, il restera configuré. On passe dessous, et voilà. Ensuite, pour continuer, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait. On va placer les différents tanks qui seront remplis d'eau, de manière à ce que le champ entier soit couvert et soit humidifié. Donc pour ce faire, la meilleure technique c'est ça, c'est de tous les espacer finalement de 4 et de faire un pattern pardon, et de faire un pattern comme ça en carré. Donc on va reproduire ça ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez compris le principe. Et le dernier. Voilà. Donc là, toutes les zones seront couvertes en eau sans exception. C'est pour ça qu'on a prévu les 9 Aqueous qui peuvent produire naturellement de l'eau, mais pour accélérer la chose, je mettrai des sources d'eau quand même, ce sera plus facile, et on va faire ça tout de suite. Donc regardez, hop, si je pose un Aqueous ici, naturellement, il n'a pas besoin d'avoir d'alimentation, il va quand même créer un petit peu d'eau comme ça, juste avec... l'air ambiant, il pourra le transformer en eau. Vous voyez que c'est quand même relativement lent. Techniquement, ça suffirait. En plus, si vous le laissez un petit peu de base, travailler et remplir le tank, ça laisserait de la marge. Mais personnellement, moi, je préfère faire en sorte qu'il y ait toujours de l'eau totalement. Donc, on va faire les choses bien. La meilleure solution, c'est de remplir au moins, je pense, 2 sources d'eau, une fois de plus. Une source d'eau pourrait suffire à l'Aqueous pour qu'il obtienne une infinité d'eau. Mais, par souci de symétrie, on va faire ça comme ça. Hop. Hop. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Là, j'ai creusé, j'ai fait en sorte que le bloc à côté de l'Aqueous soit vide pour qu'on puisse le remplir d'eau. Vous allez voir ça tout de suite. Donc ce bloc là et ce bloc là, voilà, on va pouvoir aller chercher de l'eau et remplir tout simplement. Donc pour vous éviter quelque chose de répétitif, je vais faire une petite pause juste ici, le temps de poser tous ces blocs et de remplir tous mes Aqueous. Une fois que c'est fait, je vous retrouve et on poursuit. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve juste pour poser le dernier seau ensemble. Voilà. On rebouche. Et tous les tanks vont se remplir, vous voyez, petit à petit. Cette étape-là est terminée. On peut poursuivre avec la suite. Par-dessus ces différents tanks, vous allez pouvoir poser les sprinklers. Donc c'est les tanks de open block pour que ce soit compatible avec le sprinkler. Je n'ai pas testé tous les types de tanks, mais normalement ça fonctionne avec, avec beaucoup. On va essayer de les mettre alignés. Et voilà, là votre champ est totalement alimenté en eau. Il n'y a pas de raison que vos plantations puissent pourrir. Ou s'assécher plutôt. Hop, on a rencontré une petite araignée en chemin. La prochaine étape, la lumière. Et oui, parce que contrairement aussi aux arbres, il va falloir plus normalement de lumière pour pouvoir alimenter les champs. Donc on va avoir un problème. Ici, on avait utilisé quelques-uns des blocs pour pouvoir poser des illuminateurs en plein milieu. Là, la place est déjà beaucoup plus prise. Si on en rajoutait, ça consommerait, enfin, ça prendrait vraiment de plus en plus de place et ce serait gênant. Donc on va continuer de faire la même façon qu'on faisait jusqu'ici et mettre sur le contour différentes lampes. 6, hop, ici. Là. Ensuite, il y en avait une sur cette ligne-là. Bien, on doit avoir quelque chose d'à peu près symétrique et de la même façon que les autres. Oui, donc ces torches là sont devenues inutiles. Il va juste y avoir un petit manque au centre, sachant que les plantations n'ont pas besoin de grimper très haut comme les arbres. Vous pouvez mettre de la lumière en hauteur, c'est ce qu'on va faire. J'ai choisi aussi une solution un peu de secours. Vous n'êtes pas obligé de faire cette solution là, il y en a beaucoup qui sont possibles. On va utiliser des nooks, des glowstone nooks, qui vont éclairer exactement pareil que n'importe quel type de bloc de glowstone, sauf qu'ils vont prendre vraiment peu de place. Et regardez, par exemple ici, on les voit pas au premier abord, mais si on se rapproche un petit peu, vous voyez qu'il y a des nooks qui ont été posés ici et là. Donc 4 suffiront pour éclairer tout le centre de votre champ. Pour ça, on va avoir besoin de quelques petits blocs. Hop. C'est juste temporaire, je vais les remettre. Et regardez, hop. Vous voyez tout de suite que là, dans la zone non éclairée, cette zone-là a été couverte jusqu'au centre et même un petit peu plus loin. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Plus que le dernier et notre champ sera terminé. Voilà, Donc là, vous avez un champ qui est prêt à fonctionner. Il est alimenté en eau, il est éclairé, il est relié à votre système ME. La dernière étape qui va rester à faire, c'est de le remplir en graines et surtout de relier l'alimentation en graines par le système ME. Parce que là, vous pouvez le constater, le planteur qui est posé ici n'est pas encore alimenté en énergie et n'a encore moins de graines qui vient jusqu'à lui. Donc on va rentrer à la base pour ça. Vous voyez que ça a un tout petit peu avancé ici. Vous aviez déjà vu les ressources bien faites, le système reproduit et surtout maintenant multiplié par 4. Donc on a un apport de 4 fois la dust et le gravier tamisé qu'on avait jusqu'à maintenant. Et notre haul, toujours avec Jean-Kévin, toujours avec nos ressources affichées. On va bientôt en avoir plus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de descendre. Voilà. C'est ici qu'on a relié nos différents systèmes et qui ensuite sont traités et sont stockés ici. Donc j'ai préparé ce dont on va avoir besoin dans ce coffre, à savoir des Deep Storage Unit pour stocker ce qu'on va produire. Et bien entendu relié par des storage bus. Donc, à chaque fois qu'on a une nouvelle production, on fait exactement la même chose. On pose nos storage ici. On pose les bus qui viennent se relier au système, pas de problème. Et ensuite, ces bus, on les configure. À savoir que celui-ci, par exemple, on va dire que c'est la salade qui va arriver dedans, les laitues. On le passe en priorité. Il est bien configuré. Et pour être sûr, on met ça là-dedans. Voilà. Maintenant, dès qu'il va y avoir une production de salade, toutes vont venir dans ce storage bus, dans ce Deep Storage Unit. De la même façon ici, on va mettre les graines parce qu'on va en produire une grosse quantité, même si au début on va en manquer. Paf, priorité, et on stocke à l'intérieur tout ce qui va être produit. On va avoir besoin de récupérer juste un instant la graine qu'on a stockée ici. Et la dernière étape, ça va être de brancher le Tesseract qui va alimenter notre planteur et qui va lui demander d'aller planter directement ce type de graines. Donc tous nos tesseracts pour l'instant sont posés ici, ils vont être déplacés à terme. On va simplement faire simple et poser celui-ci juste là. Il est maintenant relié en énergie. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il soit branché sur notre ferme de laitue. On va enlever ça. On veut qu'il lui envoie de l'énergie, donc sending energy, et on veut qu'il lui envoie des items. Voilà, il est configuré. La toute dernière étape qui nous reste, ça va être de le relier. Ce qui veut dire qu'on va brancher un export bus ici, qui est bien relié, parfait. On le met en stack mode. On lui demande d'aller planter des graines de laitue. Et toutes celles qui étaient dans le système vont être maintenant envoyées directement vers notre plantation. Alors il n'y en avait pas beaucoup directement dans la plantation, j'ai fait exprès d'en garder une partie. On va aller vérifier ça tout de suite. Hop, vous voyez directement que c'est en train de se planter, sauf qu'il le fait sur une petite zone. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on mette les améliorations dans nos machines. Une machine comme ça a normalement un radius de 3 par 3. Donc ce qui veut dire que pour un planteur, sur le centre, il va faire un radius de 1 pour lui. Et le planteur, lui, de base, ne harvesterait qu'une zone de 3 par 3 devant lui. Donc pour qu'il couvre l'ensemble, il faudrait qu'on rajoute du coup 9 plus 3 de base, plus 8 de chaque côté, 9. Je pense qu'une l'amélioration de 9 suffirait, mais la 10 c'est plus facile à fabriquer pour nous parce que de toute façon le platinium on n'en fait pas grand chose. Donc voilà, pour la 9 il faut du flux infused, de l'électrum infusé, et c'est un tout petit peu plus coûteux à fabriquer. Donc bon, ça c'est juste une question de préférence. Mais ce sera changé à terme une fois qu'on aura vraiment toutes les ressources. Hop. Et regardez, maintenant qu'on va mettre l'amélioration, il va pouvoir planter beaucoup plus de graines. Et voilà. C'est tout ce qu'il avait. On va l'aider un petit peu. Vous remarquez que les planteurs s'occupent directement de préparer la terre. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement avec une houe. Ça fait gagner du temps. Hop. Voilà. Normalement, il va tout planter petit à petit. Très rapide. Ensuite, c'est pas obligatoire, mais on vous l'a aussi dit, vous pouvez remplir les sprinklers avec de la bonne mille pour accélérer un petit peu la fertilisation. Je vais juste en mettre un petit peu pour que le début soit lancé et soit plus efficace. Mais il serait aussi possible de faire un système totalement automatique qui en réinjecterait directement. Voilà. C'est bien comme ça. Du coup, on a à peu près fini. On a une ferme qui est opérationnelle, qui est reliée directement au système, qui pour l'instant va manquer légèrement de graines pour renouveler son système, et ça va le faire très rapidement. Et d'ici quelques heures, on va commencer à avoir une production qui va normalement être vraiment importante et va pouvoir couvrir nos besoins en laitue. Sachant que pour les différentes quêtes que vous allez avoir besoin de beaucoup de laitue. Vous avez une quête qui vous en demande 50 000 brutes. Vous allez en utiliser pour faire des fishies sandwich. Et pour faire certains aliments, c'est aussi relativement pratique. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire un champ complet. Et pour d'autres aliments qui seront nécessaires uniquement en quantité plus petite, comme par exemple la tomate, on va pouvoir se permettre de faire un demi-champ et de le combiner avec autre chose. Puisqu'une nouvelle fois, on vous l'avait expliqué aussi, mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, il est possible de configurer votre planteur pour planter différentes graines. Vous avez 9 cases ici. Sur le haut d'un planteur, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs couleurs sur le bloc. Ça indique en fait dans quelle direction il va planter quel type de graines. Et vous pouvez donc lui demander de planter sur un même champ 9 types de graines et avoir une grosse diversité. Voilà, dans l'immédiat, je vais juste vérifier dans le recoffre si on n'a rien oublié. Non, juste la route que je voulais faire pour pouvoir rendre ça un peu plus joli. Mais vous avez compris le principe, vous avez vu sur caméra cette fois-ci comment faire une ferme en moins d'une demi-heure opérationnelle et qui met parfois un petit peu de temps à se lancer, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de graines, mais qui une fois lancée va produire en très grosse quantité. Donc on va se laisser là. Moi de mon côté je vais pouvoir peaufiner tout ça, à savoir qu'ensuite, donc je vous ai expliqué, sur ce côté-là va y avoir encore des fermes qui vont se poursuivre, de la même manière à l'opposé. Et au milieu ici, vous allez bientôt voir, en fonction des ressources qu'on aura, un bâtiment se construira dans lequel on pourra stocker les ressources, peut-être du bétail, et qui servira aussi de salle de contrôle où on va dépasser les moniteurs de tout ce qui concerne l'agriculture pour avoir un œil sur notre production. Voilà, merci de m'avoir suivi, et puis j'espère que ça vous aidera à faire votre propre ferme. À la prochaine fois.